Bien, le bonjour, mesdames et messieurs, ici PepsiMan85 pour vous présenter l'épisode de Halo Report de cette semaine. Je crois que vous commencez à être habitué, hein. Alors, comme vous avez cru sûrement remarqué, il y a très peu d'actualité depuis le rush de la bêta d'Halo 5. D'ici, à vrai dire, la sortie d'Halo 5, ou presque juste avant, quand il va commencer à avoir beaucoup d'annonces et beaucoup de previews qui vont sortir, évidemment, on aura beaucoup moins d'actualité. Alors, je vais en profiter pour donner quelques petites vacances aux doubleurs d'Halo Report. Oh, attention, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas le seul à doubler les trucs d'Halo Report, parce que là, vous allez vraiment en avoir marre de m'écouter, sinon. Mais vous allez m'entendre de temps en temps faire des catégories, justement, pour que je puisse donner du temps libre, un peu plus de temps libre à, justement, les doubleurs. Et justement, cette semaine, il y a très peu d'actualités. Je vais en profiter pour faire le point pour certains projets d'Halo des fans, des événements qui s'en viennent. Alors, je vous en parle à la fin de la vidéo. Et pour l'instant, je vous laisse avec les actualités de cette semaine. A tout de suite, tout le monde. Bonjour à tous, ici Vimaster Chief en direct d'Halo Report pour les montages pour servir. Et aujourd'hui, nous commençons et terminons avec la seule vidéo de montage avec Spartan Heaven qui nous présente plusieurs kills de plusieurs personnes. Il a fait un petit montage juste pour nous montrer les kills plus fous les uns que les autres, jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il se suicide, jusqu'à ce qu'il périsse par je ne sais quoi et encore. Ils y vont et font des magnifiques kills. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Je vous invite à aller le voir dans les liens de la description. Quant à moi, je vous laisse avec mes autres collègues. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et à tous. Ici Hercel pour vous présenter les vidéos commentées. Cette semaine, nous en avons seulement deux. La première, Let's Play H2A FR épisode 4 partie 4 intitulé On pète des câbles par... Par moi-même, voilà. On présente nos propres vidéos ici maintenant. Dans cet épisode, je suis accompagné de mon cher acolyte Moumout. Nous nous trouvons en fin de mission l'arbiteur. Et comme le titre l'indique, on pète des câbles. Et pour terminer, Halo 5 Guardians, avis plus coup de gueule de Drake117FR. Dans cette vidéo, il nous raconte son ressenti sur la bêta et un coup de gueule envers la communauté. Bouh, pas gentil la communauté! Sur ce, c'est tout pour les vidéos commentées cette semaine. Je vous souhaite bon frag, bon jeu. Vive Halo, ciao à tous Spartan. Ici RePepsiMan. Alors, comme vous voyez, je présente la catégorie événements en ligne. Alors, je suis super fier, super content de vous annoncer que on va retrouver un peu plus d'événements justement à partir de cette semaine à cause de la belle mise à jour qui vient de nous être placée sur la Master Chief Collection. Alors, pour commencer, nous avons le tournage de First Spartan pour son Machinima à Vive Master Chief. Je ne sais pas si vous connaissez, mais un très bon Machinima. Je vous conseille vraiment, à vrai dire, d'aller faire un tour pour faire partie des figurants ou je ne sais pas exactement quels sont les rôles, mais il y a des rôles principaux et des rôles plus secondaires à prendre. Et n'hésitez pas, justement, comme je vous dis, c'est très important de faire rouler cette petite machine qui est justement le secteur des Machinima. Alors, sur ce, ça se passe le 13 mars. Je ne sais pas exactement à quelle heure, par exemple. Je crois que c'est quand même assez flexible. Mais allez directement sur le lien qui est dans la description pour avoir plus d'informations et écrire à Vive Master. Alors, à tout de suite, tout le monde. Eh, les gars, il y a toutes et à toutes, c'est Darkspark ou l'étincelle ténébreuse. C'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la catégorie autre vidéo de cette Halo Report. Donc, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule vidéo. S'appelle Présentation du mode Halo par Skycraft. Donc, il nous présente le mode Halo sur Minecraft Xbox 360 ou Xbox One Edition. Donc, il s'est payé le jeu et l'édition Halo de Minecraft. Et il nous le présente. Donc, vous pouvez aller voir pour ceux qui n'aiment pas vraiment Minecraft, parce que moi, ça m'a fait assez plaisir à regarder. Après, il faut aussi préciser qu'il ne connaît pas Halo. Donc, il y a quelques incohérences avec nous, les vrais fans. Et maintenant, je vais vous laisser. Passer une bonne soirée ou une bonne journée tout le monde. C'était Darkspark. Et ça, on est déjà terminé avec les actualités de cette semaine. Alors, comme promis, je viens vous parler de quelques petits projets de Halo des fans. Alors, comme tout le monde le sait, on avait le concours Machine à Noël qui était prévu, qui, à vrai dire, qui a déjà démarré. On attend, certains attendent les nominations des gagnants. Bien sûr, à vrai dire, le truc est en cours.
C'est seulement qu'on attend de démarrer un peu la machine parce qu'on a quelques vidéos, quelques petits projets qui approchent et on aimerait tout lancer d'un seul coup, à vrai dire, pour pouvoir vraiment reprendre une activité quand même constante. Alors, c'est pour ça qu'on attend un peu, mais ne vous inquiétez pas, vous allez avoir justement les résultats du concours d'ici peu. Je vous dirais d'ici au maximum une trentaine de jours. Maximum, ça se peut que ce soit demain, ça se peut que ce soit dans 10 jours, ça se peut que ce soit dans 30 jours, mais ça sera maximum 30 jours. Et pour ce qui est des événements, alors je suis super fier de vous dire que je vais recommencer les événements, les soirées Halo des fans. Alors, on va commencer par un essai sur la Master Chief Collection qui se produira le 13 mars, le vendredi 13 mars à 22h comme d'habitude. Alors, je ne fais pas un post officiel pour l'instant sur Facebook puisque ce serait quand même surtout un test puisque justement la mise à jour sur la Master Chief Collection, la grosse mise à jour qui était prévue depuis longtemps de la part de 343 Industries, vient tout juste de sortir. Alors la question est-ce que maintenant ça sera possible de jouer à 16 personnes sur une carte, sur des cartes forgées? Alors le test, j'espère qu'on va pouvoir le faire justement ce 13 mars-ci. Alors n'hésitez pas à 22h à me contacter sur Facebook, à me contacter directement en commentaire sur cette vidéo pour savoir s'il y a quelque chose qui a changé ou n'importe quoi. Mais ça sera le à 22h, le 13 mars. C'est sûr qu'on va faire une petite soirée à l'eau des fans. Alors amenez vos cartes forgées, amenez tout, parce qu'on va vraiment tester les cartes de la communauté. J'ai déjà testé déjà quelques cartes qui avant ne marchaient pas exactement à environ 4 joueurs, et maintenant ils fonctionnent à plus que 4 joueurs. Alors déjà là, je suis très confiant, je crois sincèrement qu'on va être capable de jouer à 16, et je l'espère très fortement, parce que sincèrement, en sortant que la Master Chief, c'est de la bombe. Oui, ils ont eu quelques problèmes, mais c'est vraiment de la bombe. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et pour les nouveaux qui ne sont pas habitués à Halo des fans, ou pour ceux qui sont habitués, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos actualités, vos vidéos, n'importe quoi. Ça nous sauverait beaucoup de travail si vous les enverrez directement sur le lien, le formulaire qui est dans la description. Il y a le lien justement pour remplir le formulaire pour envoyer vos vidéos, vos actualités. Et du coup, aussi, je lance un autre petit message. On est encore en recrutement de doublage, de doubleur, je veux dire, pour Allo Report. Alors, si vous voulez vous proposer, n'hésitez pas. Et sur ce, je crois que j'aimerais juste à vous souhaiter un très bon jeu, Spartan, comme je dis d'habitude, et surtout un très bon gros vive Allo!